9 ans après sa rupture avec François Hollande, Valérie Trierweiler en veut toujours à Julie Gayet, la femme avec laquelle il l'a trompée. La preuve, elle vient de s'en prendre sévèrement à elle dans un entretien accordé à Europe 1. L'infidélité de François Hollande avec Julie Gayet, Valérie Trierweiler ne l'a jamais digérée. Elle a certes refait sa vie depuis cet épisode dramatique, elle a même été en couple avec le rugbyman Romain Magellan, mais elle ne peut s'empêcher de penser régulièrement à cette trahison. Si est-il simple, dès qu'un micro lui est tendu dans les grosses têtes, émission présentée par Laurent Ruquier où elle officie depuis septembre 2020, elle ne peut résister à l'envie de tacler celui qui a succédé à Nicolas Sarkozy à la présidence. Il arrive aussi que Julie Gayet, l'autre femme, en prenne pour son grade. L'ancienne journaliste de Paris Match agit toujours de manière subtile, notamment lorsqu'elle avait déclaré en novembre 2021 sur RTL, « Je n'ai pas les talents de cuisinière de Julie ». Depuis qu'il est avec Julie Gayet, il a repris beaucoup de poids. Mais alors qu'elle y va d'ordinaire avec le dos de la cuillère, la maman de Léonard s'est exprimée de manière plus franche sur sa rivale lors d'un entretien accordé à Europe 1. Valérie Trierweiler n'a pas enterré la hache de guerre. Une partie de cette interview portait sur une récente phrase de Julie Gayet à son égard. Évoquant la rupture tumultueuse entre François Hollande et Valérie Trierweiler, l'actrice aperçue dans 10% avait déclaré « Je sais quelle douleur est une séparation. J'ai respecté cette douleur tout en essayant de trouver ma place. » Une phrase qui se voulait bienveillante, mais la journaliste ne l'a pas entendue de cette manière. Au contraire, celle qui a participé à la dernière édition de Pékin Express spécial célébrité a profité de son passage sur les ondes d'Europe 1 pour remettre la belle blonde à sa place. Je n'ai pas lu son interview, mais cette phrase-là m'est revenue aux oreilles. Je préférerais qu'elle se taise à mon sujet car elle n'est pas à ma place, a-t-elle réagi. Ce n'est pas de sitôt que l'on verra les deux rivales faire la paix.